Une fille comme les autres. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce Oula. soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jody. C'est vraiment pas juste! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai quoi! Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser! Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jody. Il y a des règles! Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente! J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge! Tu ne pourras jamais être comme elles. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Ah! Ah! L'ado qui se rebelle. Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Oui, je veux sortir. Eh, lève-toi, ça sert à rien de rester assise. Ah, déjà, c'est un peu plus équipé. Ah, il y a quoi là? Appeler call. On va visiter d'abord. Il y a la guitare. Comme quand elle était toute jeune. Oula. De toute façon, vu le bruit que c'était. Faire quoi? Me coucher? Pardon. Non, c'est pas au niveau de la caméra. Où c'est qu'on peut l'appeler? Pourtant, c'était tout à l'heure au niveau de la caméra que je pouvais. Encore un samedi soir que je vais passer enfermé ici! Putain, tout ce que je veux, c'est sortir et m'amuser un peu! Je peux rien faire pour toi, ma belle. C'est le règlement. S'il te plaît. Sois sympa, Cole. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi sortir juste ce soir. Pourquoi tu serais obligé de tout raconter à Nathan? Je suis désolé, princesse. Mais ça sert à rien. J'obéis aux ordres. Arrête un peu, Jody. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu peux pas sortir. Point final. Hey, Jody. Tu sais que tu ne dois pas utiliser Aiden quand t'es en colère. Je vais tourner toutes ces caméras. Fier de ce que t'as fait? J'espère bien, parce que tu vas devoir ranger tout ce foutoir. Je ne crois pas. Suffit, Aiden. Arrête, ils en ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. Va falloir trouver autre chose si ça fonctionne pas. Oui. Oui, elle s'est calmée.
Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais elle s'est calmée. Ok. D'accord, on se voit demain. Je vais attendre qu'il raccroche. Ah, pas assez. Donc là, j'ai pris son contrôle. Je suis vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai? Je dois sortir ce soir. C'est stupide. Stupide, c'est pas du tout le bon chemin. Eh ben, je regardais. Ça doit être tout droit. Et si je fais ça? Non, je peux pas faire Y, donc je peux pas reprendre le contrôle. Fermé. Évidemment. Bah, et la carte, elle est là. C'est un peu simple. Là, il n'y a que des distributeurs. La porte est là. Ah bref. Hey, salut Cole, Jody. Il est pas un peu tard pour se promener? Ouais, c'est juste que je me sens... J'ai un peu la nausée. Je suis pas bien, alors on s'est dit qu'on pourrait aller dehors pour prendre un peu l'air. Ça va aller? Tu veux que j'appelle l'infirmerie? Non, c'est vraiment rien du tout. Et puis... Cole va s'occuper de moi, alors... Hein, Cole? Voilà. Alors... Quoi de neuf, Cole? T'as perdu ta langue? Hmm? Il est vraiment de mauvaise humeur. Il a pas prononcé un mot de la journée. Oula. Il a plus de voix. Il a attrapé un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures, alors... J'espère que c'est pas contagieux, au moins. Tu devrais aller te coucher, si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Ouf. Vous pouvez y aller. J'ai dû faire le bon choix. J'ai bien fait de le faire parler, en fait. Bon, au moins on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Je peux toujours pas prendre. Il y a des caméras partout. Hayden. Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin.
Monte dans la voiture et ensuite démarre. Je vais peut-être aller devant quand même. Quoique. Ou dans le coffre. Oh non, merde. Je suis vraiment pas bien caché là. Je vais aller dans le coffre. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Évite d'attirer l'attention, d'accord? Ouais, si j'avais été derrière, j'aurais été attrapé. Peut-être que je lui ouvre. Tu me pardonneras, hein. J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Okay. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui. Dans la forêt ? Bah, je peux pas y aller. À moins que ce soit par là. On est arrivé. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Je peux récupérer Aiden, ça faisait longtemps. Aller bien loin. Je recommencerai quand je serai dedans. Elles sont pas arrivées. On va attendre. Eh ben si on attend. Y a rien. Pas derrière le bar. Où est-ce que j'ai pas été?
Est-ce qu'on peut aller plus loin là? Non. Non. Bon bah j'ai pas le choix. Enfin si j'ai le choix dans les tables mais... Dites, quel âge vous avez? J'ai 21 ans. Je veux juste une limonade. Bon, pas d'alcool. Oh bah la bouteille. Lemon. Non, 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 je voulais que tu boives un petit peu. Attends, attends. Je suis trompé. Je le sens pas bien. Là, je peux jouer au billard. Parler avec qui? Le barman? Ou les mecs? Je sais pas. On va faire un petit billard. Un partenaire? Non, en fait, je préférerais jouer toute seule, si ça vous dérange pas. Tu veux jouer au billard toute seule? Faut être deux pour jouer à ce jeu. Les dames d'abord. C'est moi qui vais jouer ou c'est Hayden? J'ai rien compris. Je sais pas s'il fallait que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici toute seule? Rien. Que je te dise, je te trouve un peu jeune pour être ici. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Waouh, là tu m'épates. Tes parents savent que t'es ici? On joue au billard ou c'est un interrogatoire? Hé hey, laissez-moi tranquille. Allez ma belle, je suis sûr que t'en meurs d'envie. Qui est là? Où est-ce que tu te bloques? Ramène-toi! Calaï, espèce de trouillard! Qu'est-ce que je peux faire? Il faut qu'on se tire de là, vieux. J'aime pas ça. Si
se dégonfler, Frank. Ça leur fait toujours pas peur? On dirait. Je peux en choper une autre table. Putain, Earl, j'ai pas envie de mourir. Personne va mourir. On va foutre le camp d'ici. Ah bah comme ça. C'est pas vrai. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous, Sam? Ouvre cette putain de porte! Je peux pas! C'est quoi ça? Allez, Earl! Ah bah non, je peux le tuer, mais non. J'ai envie de le tuer quand même. Et lui, je peux prendre le contrôle. Quel est l'intérêt? Non, je les tue pas. Non, 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 non. Non, 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 je tire pas. Allez, faut qu'on se tire d'ici. Bonsoir Valérie, comment vas-tu? Oh, Jody. Je suis là. Est-ce que tu vas bien? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste sortir. Et être comme tout le monde pour une fois. Oh, je sais. Ça va aller. C'est rien. Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Je commence juste un peu... fatigué de la semaine de reprise, mais ça va. Une fille comme les autres. Garde évitée. Client non entendu. Ah oui, donc ça, c'était marqué parler. Attaquant repoussé. Oui, il faut filer ou précipiter hors de la DP. Ouais. Rester dans le bar. Je pouvais sortir. À laisser les attaquants s'échapper. 10%. Dire que les autres, ils ont tous tiré ou ils ont tué. Pour faire un massacre quand même.